Bonjour, bienvenue sur la première vidéo d'une petite série qui va être diffusée sur Facebook. Aujourd'hui, première activité, on va fabriquer, décorer et jouer à un jeu d'anneaux. Pour ça, on va faire qu'avec du matériel de récupération. Carton, rouleau de papier toilette ou de sopalin, ça peut se découper. Nous allons avoir besoin de feutre, de ciseaux, de cutter, attention, ça on l'utilise qu'avec un adulte, il faut faire très attention. Du scotch, si jamais nous n'avons pas de pistolet à colle. Nous allons avoir besoin également d'un crayon à papier et d'un feutre noir simple pour pouvoir mesurer ou pouvoir tracer correctement les traits et les lignes pour les découpes. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est récupérer un maximum de petits rouleaux de papier toilette et les décorer. J'ai choisi comme thème pour tout le monde, du coup, les animaux, les petits personnages de dessins animés. Donc là, par exemple, le Sonic. Là, un petit dinosaure, par exemple, des animaux. Vous pouvez partir sur n'importe quel thème. Ici, vous voyez, il y a un exemple avec les mignons et Pikachu, par exemple. Nous allons prendre du carton, une certaine surface qui va nous servir de base pour pouvoir coller les rouleaux de papier toilette. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est prendre le rouleau de papier toilette et vous allez dessiner le contour du rouleau directement sur le carton. Avant tout, je vais repasser dessus avec un feutre noir. Pourquoi je repasse par-dessus avec un feutre noir? Simplement parce que ça va pouvoir ressortir lorsque je vais peindre par-dessus. Je vais mettre une première couche de peinture verte et du coup le noir va pouvoir ressortir sur par-dessous la peinture. Voilà. Donc je récupérais une peinture verte et un gros pinceau. Alors pour le fond, vous pouvez laisser en carton, vous pouvez coller du papier journal. Là, la décoration, c'est comme vous voulez, au feutre si vous voulez. Là, vous êtes libre de n'importe quelle décoration, c'est à vous de vous amuser. Un fond de peinture verte. Et là, du coup, je vais appliquer. C'est trop petit, c'est trop gros. Je vais appliquer la peinture. Les ronds noirs ressortent. Là, on les voit. Voilà. Donc, du coup, ça va me permettre de pouvoir coller mes petits animaux directement sur le carton. Voilà. Alors, le pistolet à colle, c'est pareil. Vous ne l'utilisez pas tout seul, c'est avec un adulte. C'est très chaud, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous brûler. Fais très attention. Voilà. Attendez que la peinture sèche. C'est très important, ok? Vous allez vous en mettre partout sinon. On prend une bande de carton. Voilà. Donc, assez large quand même. Tac. Et on va essayer de récupérer un gros rouleau de scotch. Ou quelque chose d'assez large. Voilà. De préférence, ouvert. Pourquoi? Avec mon crayon à papier, je vais venir faire le tour de mon scotch du côté extérieur du rouleau et également du côté intérieur. Donc je peux répéter l'opération plusieurs fois tant qu'il me reste du carton. Voilà, intérieur, extérieur, voilà. Et là, ça va nous faire des petits anneaux. Donc là, les petits anneaux, pour les découper, pour découper les petits anneaux, on n'a pas tellement le choix, ça va être au cutter. Donc là, faites-vous aider d'un adulte. Donc voilà, j'ai fini mon anneau. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc là, au feutre, peinture, comme vous le souhaitez.
Mon anneau est colorié. N'hésitez pas à faire plusieurs anneaux et de plusieurs couleurs différentes. Ça permet aux joueurs de se reconnaître. Une fois ma peinture sèche, je vais pouvoir coller mes différents animaux directement sur le carton. Et voilà, vous avez terminé votre petite piste d'animaux. Voilà. Donc, vous pourrez derrière y rajouter des points à côté des animaux, y rajouter des petits bonus, vous faites vos propres règles. Et là, il vous suffira juste de prendre les anneaux que vous avez fait précédemment, vous mettre à une distance suffisamment lointaine, si vous le souhaitez, si vous rajoutez un petit peu de difficulté, et il vous suffira juste de jeter directement. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que l'activité vous plaira. Il y a un peu de tout, de la fabrication, de la décoration et ensuite du jeu. C'est complet. J'espère que ça plaira à tout le monde, aux petits comme aux grands. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.